tout à fait. Et qu'est-ce que la bioélectronique? Eh bien, écoute, Rodolphe, la bioélectronique, c'est une technique scientifique d'abord, et cette technique a permis de déboucher sur une méthode de santé. C'est ça l'originalité de la bioélectronique. Et pourtant, beaucoup de personnes sont surpris. Le mot bioélectronique est un mot qui est un peu ésotérique, et pourtant, c'est touche la biologie. Le terme essentiel, c'est la biologie. Et ensuite, Louis-Claude Vincent, le créateur, a été persuadé que c'était l'électron qui était porteur de vie. Et le résultat, bien sûr, au début, il a été un peu contredit. Et puis maintenant, on sait très bien que c'est au moins une des parties qui porte la source d'énergie vitale qui nous anime. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la santé s'entretient. Et la bioélectronique, c'est un outil extraordinaire puisqu'elle est scientifique. Il y a des mesures dont je vais parler à l'instant. Mais d'abord, je voudrais que tu comprennes que c'est un être humain qui a créé la bioélectronique, aidé par d'autres êtres humains. Ça n'est pas venu comme ça au hasard. C'est un être humain qui s'appelait Louis-Claude Vincent, qui était ingénieur hydrologue et qui, dès les années 1928, est devenu ingénieur TP, travaux publics, et il s'est lancé dans les travaux d'adduction de plus de 500 communes jusqu'au début de la guerre. Donc il y avait un cabinet de spécialistes, bien sûr, hydrologues, à Neuilly, dans la banlieue de Paris, et il est devenu un spécialiste reconnu, puisqu'il est devenu président de l'Association des hydrologues de France. Donc c'était une personnalité, si vous voulez, et là il s'est rendu compte que quand il mettait l'adduction d'eau, certaines maladies, au bout de quelques années, disparaissaient. Et au contraire, les gens qui continuaient à s'hydrater avec de l'eau du robinet, l'eau du puits ou l'eau des citernes, eh bien, continuaient à avoir d'autres types de maladies. Alors là, lui qui était en plus scientifique, il s'est intéressé, il a commencé à faire des mesures pour voir qu'est-ce qui se passait. Et c'est là qu'il a commencé, par ses balbutiements, à comprendre que la qualité de l'eau était fondamentale pour pouvoir assurer une santé à la population. Puis il y a eu la guerre. Alors là, son fonctionnement de son cabinet est tombé un peu, bien sûr, à rien. Ça ne fonctionnait plus, évidemment, puisque la France était paralysée par les événements de la guerre de 1939 à 1945. Mais comme il était intelligent, il n'a pas laissé, il est resté les deux pieds dans le même sabot. Il a travaillé, il a fait des recherches, il a fait des études, et là, il a créé, en l'espace de quelques années, en 1948, ce qu'on appelait la technique bioélectronique. Car il s'est rendu compte que trois paramètres étaient fondamentaux pour apprécier la qualité d'une eau. Pour le départ, c'était ça. Lui, c'était l'eau qui l'intéressait, puisqu'il était hydrologue et qu'il a donc répandu la santé grâce à ses installations d'adduction d'eau dans 500 communes de France, dans la région nantaise, la région parisienne, bien sûr, et dans plusieurs endroits comme ça. Donc, ça a été un grand moment. Et ces trois mesures sont le pH, le potentiel hydrogène, on appelle ça, et vous connaissez tous bien sûr le pH, mais on ne sait pas toujours que le vinaigre est acide, mais la soude est alcaline. Et tout simplement, c'est une concentration en protons, comme disent les chimistes, qui est différente. De 0 à 14, de 0 à 14, c'est l'échelle de pH, du potentiel acido-basique. Jusqu'à 7, 0 à 7, c'est ce qui est acide, les boissons acides ou acidulées, ou très acide, l'acide sulfurique, un pH de 1, c'est horriblement, le citron, pH de 3, le vin est légèrement acide, lui aussi, pH 4,5 ou 6, selon la structure du vin, s'il est sec ou s'il est sucré, etc. Et puis des produits qui sont alcalins. Des exemples de produits alcalins, ben, l'eau du robinet, par exemple, est alcaline, parce qu'on a rajouté des produits qui ont alcalinisé l'eau, qui ont transformé sa structure. Et ça sera porteur d'informations tout à l'heure, je vais en reparler, hein. Et donc, le deuxième paramètre, c'est le potentiel de RH2, le potentiel d'oxydoréduction. Ce potentiel, c'est une découverte, on peut dire, pas de lui, mais c'est une redécouverte d'un physicien américain qui s'appelait Clark. Et les physiciens français l'ont abandonné, ont trouvé que ce n'était pas raisonnable, alors qu'en réalité, bien sûr, c'était porteur, puisque c'était la mesure de la concentration en électrons. Et là, ça a été démontré par d'autres physiciens en France, beaucoup plus tard, bien sûr,
pour justifier le choix que Louis-Claude Vincent avait avec ce deuxième paramètre. Et le troisième paramètre, eh bien, c'est la résistivité, c'est-à-dire la concentration en électrolyte. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, pour bien comprendre, c'est la concentration qu'un liquide, quel qu'il soit, peut avoir en sels minéraux. Vous avez des liquides qui sont très chargés, très lourdement chargés en sels minéraux. Vous avez des boissons, par exemple, comme la Contrexéville, qui est très chargée en sels minéraux. Et vous en avez d'autres, au contraire, qui sont très peu chargés en minéraux. Et là, ça va avoir une incidence sur la santé, évidemment, hein, puisque l'être humain lui-même a une concentration minérale qui est donnée. Et dans la santé de l'être humain, cette concentration minérale, elle est d'une certaine concentration. Nous, on dit en bioélectronique 210 ohms par centimètre. Et la maladie correspond pratiquement tout le temps à une accumulation qui fait baisser, bien sûr, la résistivité, c'est-à-dire qui augmente la concentration en minéraux. Et là, bien sûr, la plupart des maladies correspondent à une véritable court-circuit, à une véritable accumulation de déchets que l'organisme n'arrive pas à éliminer. Et bien sûr, ça sera la source, bien sûr, de problèmes de santé évidents. Actuellement, on peut dire qu'il y a deux paramètres sur les trois qui sont, je dirais, en déviation très importante. C'est le potentiel d'oxydoréduction, le RH2, qui s'oxyde de plus en plus. Et le sang des êtres humains est de plus en plus oxydé et de plus en plus en danger, par conséquent, puisqu'on s'éloigne des caractéristiques de la santé. Et le deuxième, c'est la résistivité, c'est-à-dire les gens deviennent de plus en plus chargés de minéraux, de métaux lourds, qui vont perturber le fonctionnement de leur organisme. Autrement dit, ils sont entartrés, comme une canalisation de votre chez vous qui se trouve complètement bouchée par des l'accumulation de déchets, de tartre, eh bien nos vaisseaux sanguins, nos humeurs intérieures sont chargés de déchets comme ça qui vont perturber le fonctionnement. Alors Louis-Claude Vincent était super intelligent, c'était un génie et c'était certainement un initié parce qu'il avait des compétences qui ont dépassé naturellement la physique et la chimie qui était son domaine de prédilection, puisqu'il a eu des compétences aussi en histoire. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le paradis perdu de but », qui montre à quel point une civilisation est mortelle si elle ne fait pas attention à certains paramètres. Et la santé, c'est un des paramètres les plus fondamentaux. Si on veut qu'une population puisse se développer dans la joie et dans l'énergie et dans la créativité, il faut qu'elle assure, bien sûr, sa propre santé. Et ça, c'est les pouvoirs publics qui doivent s'assurer, bien sûr, que la qualité de l'eau, elle est fondamentale. La qualité des aliments sont fondamentales aussi. Si on n'a pas ces deux critères, on risque d'avoir des problèmes. Les problèmes de santé publique actuellement découlent tout simplement qu'on n'a pas voulu écouter à une époque, c'est-à-dire dans les années 48-50, le message que Louis-Claude Vincent et tous les amis qui ont accompagné Jean Rousseau, puis ensuite, quelques années plus tard, les professeurs Orszag et le professeur Fougerous à Strasbourg, qui ont interpellé aussi la population et les pouvoirs publics en disant « mais il y a, avec la bioélectronique, une source d'information précieuse qui peut être donnée à la population pour qu'elle entretienne ce bien si précieux qu'est la santé. » Et chacun peut le faire.